Alors, voilà. Je sais qu'on se connaît pas, mais je voulais savoir si ça te disait qu'enfin, on parte tous les deux. Ouais, je sais, ça paraît complètement barre, je dis comme ça, mais imagine, on se casse. Là maintenant, à l'autre bout de la Terre, sans se retourner. De toute façon, la Terre est ronde, regarder droit devant soi, c'est un peu comme regarder derrière, non? Mais arrête de sourire, je suis sérieux, qu'est-ce que tu dirais? T'as jamais eu envie de balancer ta caisse? De claquer ta porte, de gifler ton voisin, je sais pas, y a pas des soirs où t'as la tête qui tourne à vide dans ton lit? Hé, hey, t'as pas des rêves au galop dans la poitrine, toi? Hé, hey, ils font quoi, tes rêves? Ils piétinent? Ils marchent sur les pieds? Ils ont des chaussettes? Allez, allez, viens, on part! On crie, on danse, mieux! Viens, viens, on tombe amoureux! On ferait deux fois le tour du monde parce que le premier, on se serait pas quitté des yeux. On prendrait la voiture, le taxi, le vélo, la trottinette, le bateau. Enfin, on s'en fout pourvu que ça avance, pourvu que ça gronde, pourvu que ça nous arrache à ce décor morbide qui pue la mélancolie. Et puis s'il y a des gens qui sont pas d'accord, s'il y a des gens pour pas y croire et jeter sur nos rires leur regard d'oiseau velu et démoniaque, bon, on les emmerdera. Voilà, je sais même pas si j'ai le droit de dire ça à la radio, mais on s'en fout puisque c'est la dernière, alors on les emmerdera, d'accord? On vivra d'amour et de cookies. On récitera des vers uniquement parce que c'est joli. Madame, si les baisers s'envoyaient par écrit, vous liriez ma lettre avec les lèvres. Que m'importe le jour, que m'importe le monde, je dirais qu'ils sont beaux quand tes yeux l'auront dit. On sera de ceux qui marchent pas sur les lignes de pavés de supermarché. On sera de ceux qui ont des fous rires à minuit. De ceux qui se réveillent pour se dire je t'aime. De ceux qui se disent farouche et pédoncule parce que ça sonne tout bizarre dans la bouche. D'ailleurs, ça fait combien de temps que t'as pas fait la course? Ça fait combien de temps que tu t'es pas tapé des barres en regardant les nuages en forme de caniche dans le ciel? Que tu t'es pas bien fait kiffer? Mais je veux dire réellement fait kiffer, ça fait combien de temps, hein? Eh, hey, allez, t'entends pas dans ta poitrine? Eh, hey, c'est pas ton cœur qui bat, c'est l'enfant qui est en toi qui frappe et il est temps d'ouvrir. Allez, quoi, la vie ça brûle! La vie ça brûle et si ça te brûle pas, c'est que tu vis pas! Tu comprends pas? Écoute pas les gens qui disent, oh ben il est mort à 83 ans, il a bien vécu, c'est que des conneries! Et c'est quoi 83 ans face à l'éternité? C'est quoi 83 ans face à la Voie lactée, face à 197 pays, face à tous ces rêves qui nous restent à rêver et accomplir? Eh, hey, t'as pas envie d'hurler, toi? T'as pas envie de secouer l'univers? T'as pas envie de lécher le sommet du Mont Blanc? De dessiner des cœurs dans les dunes du Sahara? De faire un basket sur la Lune, je sais pas? Allez, un peu de fantaisie, quoi, un peu de folie, que diable, un peu d'insolence! De quoi t'as envie? Pose-toi la question là maintenant, de quoi t'as envie? Viens, on le fait, je te jure, on le fait. La première chose qui te vient, allez. Tu l'ajoutes à l'itinéraire, c'est que ça la vie, de toute façon, une succession de déviations. Nous, on veut des virages, on veut des bosses, on veut des PV d'excès d'ivresse, on veut de la musique à fond dans les casques et des lettres d'amour dans nos boîtes à courrier. Parce qu'il est l'heure de s'enivrer, disait Baudelaire. Il a pas dit que t'es conneries, mais que là, il est l'heure de s'enivrer. C'est beau, ça, non? Alors, c'est vrai, pardon, je me suis un peu emballé, c'est vrai qu'on se connaît pas. Toi et moi, on s'est jamais vus, peut-être même qu'on se verra jamais. Mais le temps d'une chronique, j'ai comme la sensation qu'on aura quand même un petit peu voyagé. Alors pas très loin, quelques minutes tout au plus. Mais ceux qui se souviennent de leur premier baiser le savent, on peut quelquefois faire tenir des kilomètres dans une poignée de secondes. Alors à tous ces kilomètres parcourus en 3 semaines, à bientôt, Félix.